Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On va commencer d'abord avec les trois actus culture du jour. 100 ans, c'est l'âge qu'aurait eu Aznavour aujourd'hui. Ouais, le grand Charles qui s'est éteint en 2018 à l'âge de 94 ans. Rappelez-vous, emmenez-moi les comédiens, comme ils disent, la bohème qu'on va entendre, voilà qu'on entend dans une nouvelle version, celle de Camille Thomas, jeune et talentueuse violoncelliste franco-belge, qui vient donc de sortir cet album Aznavouriana, 15 titres, principalement en instrumental, en hommage à cet artiste qu'on aimait tant. On va parler cinéma maintenant. L'équipe de Trump menace de poursuivre en justice les créateurs du biopic The Apprentice qui a été présenté lundi à Cannes. Voilà, le film du réalisateur danois d'origine iranienne, Ali Abbasi, explore la relation entre le jeune Trump... Oui, la jeunesse de Trump dans les années 70. ...et son mentor, l'avocat qui s'appelle Roy Cohn. C'est un homme alors, sans scrupules qui a créé de toutes pièces à son image... Peu glorieuse, hein, on va se le dire, le futur président américain. Alors, le réalisateur, il déclare que personne de l'équipe de Trump n'a vu ce film et pourtant, ils essayent évidemment d'interdire sa sortie qui, idéalement, selon le réalisateur, devrait sortir 2 mois avant l'élection présidentielle américaine, bien comme sûr. Comme par hasard. David Guetta vient d'annoncer un nouveau concert au Stade Vélodrome à Marseille en 2025. Ouais, il est titré le Monolith Tour et selon le DJ Star, alors je le cite, c'est un nouveau set aux accents future rave et mélodique techno. Les connaisseurs comprendront. En tout cas, ouverture de la billetterie, c'est ce jeudi. C'est un concert de David Guetta, ça va être bien. Ouais, de toute façon, voilà, c'est bien. C'est ce jeudi 23 mai à 10h avec des places allant de 50 à 100 euros. Je vous donne la date de ce méga show. Il s'agit du 21 juin 2025. Jour de la fête de la musique. Mais c'est parfait. Voilà.